Puis la menace de Donald Trump d'imposer des tarifs douaniers, ça continue d'inquiéter. Chez nous, François Legault a mis de la pression sur Justin Trudeau. Il souhaite qu'Ottawa sécurise les frontières sans délai pour rassurer le président élu. Et Alain, François Legault a réitéré sa demande lors d'une rencontre ce soir. Mais Pierre-Olivier, ça a été une rencontre très longue, là, près de 2 heures, où tous les premiers ministres se sont exprimés. Évidemment, il y a des intérêts divergents, là, parce que l'Ontario veut protéger l'automobile, le Québec, c'est l'aluminium, le bois d'œuvre, la gestion de l'offre, l'industrie culturelle. Mais ils s'entendent au moins sur une chose. Il faut sécuriser et rassurer Donald Trump sur les frontières. Et là-dessus, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il n'y a pas eu de message clair de la part de Justin Trudeau. C'est certain que et François Legault et Doug Ford ont demandé un plan rapide. Écoutez la réponse de M. Legault et la réplique de Dominique Leblanc. J'ai demandé clairement à M. Trudeau qu'il dépose un plan détaillé pour mieux sécuriser les frontières. Pas eu de réponse claire, là, mais on espère, là, parce qu'il y a eu des appuis de d'autres premiers ministres aussi. Moi, je suis d'accord avec M. Legault et d'autres premiers ministres sur l'importance de rassurer les Canadiens et les Américains que la frontière est bel et bien sécure, mais aussi de démontrer d'une façon visible les mesures qui sont en place et les mesures additionnelles que nous allons prendre. Ça fait des mois que François Legault répète qu'il faut sécuriser la frontière. Écoutez mon reportage. François Legault met la pression. Quand dépose-t-on un plan? Là, il faut rassurer M. Trump. Il faut en faire plus sur les frontières. Il ne faut pas que M. Trudeau essaie de nier le problème. Le bureau d'enquête rapporte que 80 migrants se sont présentés au poste frontière de la Colle cette fin de semaine, qu'entre le 1er octobre et le 7 novembre, 35 personnes ont été interceptées parce qu'ils n'ont pas utilisé les passages réguliers. Ces menaces d'expulsion créent de l'insécurité. Ça amène plus de personnes à vouloir fuir vers le nord. Donc... M. Trump nous dit « je vais mettre des tarifs de 25 % parce que je ne suis pas satisfait de ce que le Canada fait aux frontières. » Donc, il faudrait rapidement enlever cet argument-là à M. Trump. Actuellement, les services frontaliers, la GRC et la SQ, surveillent la frontière. Est-ce que c'est suffisant? Ils doivent rajouter tous les effectifs nécessaires. Je veux dire, c'est une obligation de résultat, là. Pour protéger la frontière, on est d'accord, on est prêt à travailler, on a les effectifs. Est-ce qu'on peut faire confiance au gouvernement Trudeau sur ce sujet-là, alors qu'ils sont largement responsables du sabotage des frontières au cours des dernières années? Les oppositions ajoutent leur voix. Je pense que le sujet n'est pas le tarif, mais le tarif sert à exercer une pression. Si on veut avoir une chance face à M. Trump, il faut avoir un discours cohérent. Pour le moment, il n'y a rien d'anormal. Il n'y a rien d'anormal à la frontière. Le ministre de la Sécurité publique tourne le radar vers les Américains. Le problème le plus important qu'on a à la frontière, c'est le trafic d'armes. C'est les armes qui viennent surtout des États-Unis vers le Québec. Donc, fentanyl, opioïdes, oui, ça peut être une problématique, mais qui n'est pas affectée énormément au Québec, qui est affectée plus aux provinces dans l'Ouest. Québec réclame plus que jamais sa place. Oui, il faut présenter un front uni. Nous, on est ouverts pour cette collaboration-là à l'échelle du fédéral, mais il faut aussi que le fédéral nous fasse la place. On a toujours pris en compte, évidemment, la position des provinces. Oral questions! Justin Trudeau se fait malmener. Le premier ministre est trop faible pour protéger notre économie contre les menaces de Donald Trump. Et c'est quoi le plan du premier ministre? Un appel sur Zoom. Pendant que le chef du Parti conservateur joue à de la petite politique et fait des petites performances dans cette chambre, nous autres, on travaille à tous les jours pour livrer pour les Canadiens. À la tête d'un gouvernement minoritaire, Justin Trudeau devra réussir à convaincre l'administration Trump de ne pas imposer des droits compensateurs de 25 % à la mi-janvier. Alain Laforêt, TVA Nouvelle, Québec.